Ma Mission TV, le miroir du monde. Avant Babimissa 16 millions, l'inspecteur général de finances a demandé à l'UGE, au ministère de l'EPST, que Mbongoana, il ne faut pas être bima et kota na maboko à Moutou. La loi des finances actuelle est l'obéke Moutou a koki kotambo la lissoussouté n'a plus de 10 000 dollars en espèces. Très bien. On ne peut pas faire sortir plus de 16 millions de dollars au Komemelango à Pina Container. Aujourd'hui, Maboko, ma Kambouya, Maboko Bank, Toboyan. Si la tentative de corruption est confirmée, Tony Mwaba doit démissionner du ministère. Mais c'est difficile. Parce que les lois, il faut dire la vérité. Si le bilan de Félix Tshisekedi aujourd'hui est largement positif, c'est grâce aussi à l'IGF. Moussa loi IGF a sali et Tikala Kosale Maté. Tous des Congolais, nous sommes les propriétaires. Il y a Mbongo et Linga qui est Bimawana. Et alors, biso peuple congolais, Bakolo Mbongo, il fallait qu'il soit là au courant. Très bien. Et cela ne dépend pas d'une famille politique que non, les linges sales se lavent en famille. Non. Bon, là, moi, IGF et Zani. Ce qui a dénoncé Kamakambouté, que non, 16 millions et Lingé Bimawa. Ndenga a dénoncé 700 quelques mille dollars au Ebima qui est le ministère de la formation professionnelle. Ce qui a dénoncé Kayangote, est-ce que Yonanga Tolinga qui est le 16 millions de dollars et Bimi pour la Makambouté? Mais la photo ne date pas d'aujourd'hui. Là, il faut élaguer les malentendus. La photo ne date pas d'aujourd'hui. La photo, elle est ancienne. Yeah, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Très chers internautes, il y a ma mission télévision, merci na fidélité, surtout confiance. Vous allez couper ce bisou partout ici, car vous allez na quatre coins du monde. En tout cas, très chers internautes, bisou tous allez na ville province qui Kinshasa, ici kawapi institution yambo cannabis au RD Congo, Isali. En tout cas, tous allez kawana kaka présent pour nous commettre bino ba mise au point surtout na actualité news politique. Vous allez corriger na mboka na bisou et na zali nga moko te na plateau na kozala na moko ya IDPS na kombo ya ND Jeff, na utako ya même kololeki en tout cas bo singa kito ya mbaili su pour la deuxième fois na yeto ko meko solo na manyo so zali koleka na mboka na biso mbote mona mboka Jeff mbote ndeko mo pansisa ngo et singa rozalo su sun liboso ya plateau ba yi kongole ba ko talo na quatre coins monde mo li lo bana compte ya parti IDPS Isali Mbala liboso na no banda, j'aimerais un peu vous remercier pour cette opportunité aux Ali Kopé Sabiso au travers ma mission télévision. Oui. Pona ko meka kusolo la na ba imboka ko talisa bango ndenge nini actualité politique ezali ko leka na mboka na biso. Ouais. Pe mboka na biso ezala ki wapi le lot aux Ali wapi pe aux Ali ko kende wapi. Au sein de mon parti l'UDPS, parti ezali ko se porter
à la merveille. Kalamingite Tozali ko milengela déjà pour ma ponami 2023. Donc nous appelons aussi d'autres partis politiques à se préparer parce que Tozali n'a besoin tout ça la ma ponami 2023. Toko tolérer nani glissement à une seconde en 2023. Donc nous sommes déterminés à aller aux élections. Voilà pourquoi le secrétaire général bo landaki bilili abandaki déjà ko kitana ba province Nyebele pour na ko mobiliser nos bases, nos fédérations pour tout bas à la déjà prêt pour na tokende na élection tout pe sa deuxième mandat na mokonzi amboka pe to meka ko gagner majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et ko gagner les assemblées provinciales et voire même tout le gouvernorat oyo ya ba 26 provinces ya mboka na biso. Voilà mutuna li bosu ezala ki par rapport ya maye mo na mboka Jamaica Kabund déclaration na ye li bosu ya ba population ki sa sa lobby ke ville province ya Kinshasa eza gouvernée automatiquement a traité loko la gentil ngobela zali loko la médiocre zali mutu azali ko sala ki ville province ya Kinshasa etika la toujours sima li ya ba ville nyonso ya ville province ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup pour Namotuna. Nga Nazali l'homme le plus heureux dans cette situation parce que Nazali moko ya bato bazwa initiative avant Jean-Marc Kabunda uta aulobela mama kamboyo. Nous avons pris l'initiative au travers ya parlement au Nazali Kokamba ensemble avec le président Mustapha ya ko sala ba marche contre la gestion de la ville ya Gentini Ngobila. On avait initié des marches dans cette ville, malheureusement nous avons été réprimés. Et pas général Kasongo, notamment en connivence avec le colonel, c'est qui encore son nom, le nom viendra, Hugo, le colonel Hugo, à Betaba gaz lacrymogène en pleine ville, s'il vous plaît, na boulevard du 30 juin. Nous avons été réprimés. Pourquoi tout ça là qui va marcher wana? On avait vu que non, la gestion ya Gentini Ngobila ezali mabe. Et lorsque Gentini Ngobila gère mal la ville province de Kinshasa, c'est comme si médiocrité na ye, bah résultat ou bien le fruit de sa gestion ezali ko quoi la mokonzi mboka oyo biso yi dépeste porter na pouvoir. Et aujourd'hui voir Jean-Marc Kabund au Azali président AI a parti na biso et en même temps vice-président Assemblée nationale a zui courage wana ya kuria koloba devant le média que non la ville est ingouvernée. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Mais à ce qu'il a dit, ce n'est que la vérité. Kinoa tout oyo azo tambola na ville à Kinshasa, Azali d'accord avec Jean-Marc Kabund parce qu'aujourd'hui si vous regardez la ville sur le domaine du transport, ndeko ozali kotambola na ville province ya Kinshasa, le prix du transport en commun n'est pas fixe. Lelo koki na tongo soki ozolongwa ville, donc ozolongwa commune ya Gombe po kende Tchango principalement ba Kingasani ba Pascal, tu vas payer 500 francs. Arrivé à 12 heures transport Oyelongo 500 et commis 1000 francs. Arrivé à 17h, 18h, Bakomi Oloba, Kingasani 1 dollar. Donc c'est 2000 francs congolais. Donc il y a l'absence totale, il y a l'État. L'autorité de l'État n'existe pas dans la ville-province de Kinshasa. Ça, ce n'est que normal. Aujourd'hui, quand on parle de l'absence de l'État, à partir de 22h, même pendant l'état de siège, bazobo mabatué pas bakuluna, bazobo tout là-bas tout téléphone. Donc ceux qui ont tamboli na 22h, donc zala keba keba. Oyebite nani okokuta na nayi na nzela. Il y a l'absence totale de l'État. À ce qui concerne l'insalubrité, bafulu bipa inyonso. Regardez zoaka kaveni bokasa. En commençant par l'avenue du commerce, banda o matati o koma kabambar, vous allez retrouver plus de 15 foulous. Voilà. Juste l'avenue Bokassa. Tous les caniveaux sont bouchés. Naébité parce que les lots osa bien. Ndenga na tamboliti na plateau na bino boyé parce que tous en la saison sèche. On ne sait pas ce qui te commis na saison de pluie. Ce qui mboula et béti ba inondation ko sale manavu de Kinshasa to yébité. Parce que tous les caniveaux sont bouchés. Donc place moko so okoki otambola même baka niveau ba utio tonga aveni bokasa ba utio salango kalamite mais les katala baka niveau wana tous sont bouchés. Voilà ce qui okeyi na rond point wiliri ngobila uti kokosa ba congolais ke no asalisi misala wana mais les kana baka niveau ba utio sala kalamite c'est bouché. Ta
tala ba rivière tout ezali na ville province de Kinshasa au kokuta ba bouteille ya ba mai ba bouteille ya ya ba ji ya ba festa plein mais peut-être ya ezali ko singa pe ba moyen est-ce que gouvernement ya mboka na biso ezali ko sol samuyé na ma etali mo mo solo pour que ayi ba ko sala musala na e tant ezali ko joa ngoma la muti au monité que ville province de Kinshasa ça loko la déjà pays mobimba mais tant ezali ko pese mo solo moke a ko sala na o ya zozoa mais makambo misolo ozali mopanzi sango oyebike jantiningo bilazwa ka $2,700,000 le mois pona kini bopeto eza moke pona ville province de Kinshasa $2,700,000 moke pendant un mois et ce qui ezali moke la kisabiso ata musala ya moke oyozwa kawana osali lengo wapi nulle part en commençant par la ville ya Gombe. Là où siègent toutes les institutions de la République. Ceux qui ont le kina boulevard du 30 juin. Au Koukou Tabafoulou. Tala barré yaba bis transco. Tala na Simawana, qu'est-ce qui se passe? C'est plein de foulou. Et le 2 700 000, c'est pas. Bon, tolo ba yza mouke. Mais mouke ou ba pesio wana. Ni nous allons ko sala na yango. C'est rien du tout. Voilà pourquoi nous demandons à l'inspection générale des finances d'aller auditer l'hôtel de ville. Il faut bailler ba le $2,700,000 et ça la kamosala nini. Depuis Jantini Ngobilazo Zwambongo wana zo sala na yango nini. Aujourd'hui elenge c'est quand même comme na souka qu'il faut qu'on félicite côté wana ye muto apesi initiative ya osala nzela elenge ça plus de 60 ans nzela elenge ça wana ezala kana makadam ti mais grâce à Jantini Ngobilande to moni musala côté kune zaliko kemo malamu. Oyebi ke aveni elenge ça wana ezali ko ezali penza ko zwa triple financement. Est-ce que ba kongomani ba yebi yango? Jantini Ngobila ne doit pas mentir les Congolais. Jantini Ngobila ne doit pas mentir les Kwinans. Oyebi a venu elenge ça. Et zwa ka financement ou ta kana gouvernement central. Les gens ne savent pas ça. Est-ce que ba yebi que l'hôtel de ville ezali ko soutenir avenani ba travaux à venir elenge ça. Est-ce que ba kongomani ba yebi que Foner ezali ko soutenir misala o ezali ko salimana a venir elenge ça. Mais les trois financements dont bénéficie l'avenir Elengesa, t'as la durée na yango. Mbongo ezo outa na gouvernement central, mbongo ezo outa na Foner, nambongo ezo outa na hôtel de ville. Nyonso wana na avenir Elengesa. Et pendant combien de temps basali avenir wana? Et combien donc? Jantini Ngobila doit nous dire combien cette avenir a consommé. Parce que bambongo ebimi na gouvernement central, toyebi montant, toyebi financement ya Foner, toyebi mbongo yazo bimisa na assemblée nana ni na hôtel de ville. Tout ça pour l'avenir Elengesa. Ce qui tolongwe na avenir Elengesa. Jantini Ngobila morcé ba chantier. Entre autres Zandu. Aujourd'hui plus de 5 mois depuis Abuki Zandu. Ti lelo ko bukana nous Zandu ici là té. 5 ans 5 mois plus tôt, pona kobuka zandu, mais tilelo zandu ici la nanouté. Et nous nous demandons, mais ce qui, parce que na yokaki na une émission boyé, porte-parole ya gouvernement, ya Jantini Ngobilazo le bakeno, les études sont en cours. Mais pourquoi avoir précipité la destruction du grand marché alors que ba étude na yango ici la kinanouté? Et tout ça, c'est quoi? Ce sont les manœuvres dilatoires. Il y a Kobebi, sa électorat, il y a Félix Tshisekedi en 2023. Aujourd'hui, les gens parlent que Jantini Ngobila Zali na l'Union Sacrée. Mais moi, je m'étonne. Être dans l'Union Sacrée ne signifie pas qu'on doit supporter ou soit on doit acclamer la meilleure gestion ou soit on doit acclamer le détournement. Ça, non. Jantini Ngobila est dans l'Union Sacrée. Et l'Union Sacrée, c'est quoi? C'est travailler pour les peuples congolais. Les peuples d'abord. Est-ce que c'est que Jantini Ngobila est en train de faire? Et Zali Kokendena vision, les peuples d'abord. Je dirais non. Donc, Jean-Marc Kabound a totalement raison. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa n'est pas gouvernée. Il y a l'absence totale de l'État. Mais, chose grave, Oyo Kabatumoko Boye. Bah, oh yo Jantini Ngobila Somba, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bango basala ki déjà déclaration pour nos zongisa mwana mboka Jamaica bundi ke nzelo ya zokende wane zali malamu te musala wane senga ki bango nde basala yango bango pona bango mwana mboka Jantini Ngobila azali na nzela pamba te ba meko numéré mwa ba action oyo nde ko Jantini Ngobila asali. Neti action ni na ville province de Kinshasa. Ba lobi na bulilo zala ki na Kinshasa lelo tozali ko mona lumière partout sécurité zongi na mboka. On a biso ba décision malamu o ya suis toujours mon ba mama ba sali ko kombo la par-ci par-là na ville province de Kinshasa.
Non, limité, non, parlons pas, le limité comme le col à New York pour la Bango. Je me demande si Kinshasa ou Bango Bazo le Beleza ou Nganazali ko vivre. Ou soit Bango Bazo Tambola na, na mi pépé, je ne sais pas. Parce que ceux qui na outchopé, ça a venu Bokassa. À part Bafoul, Tambola na Bokassa, ceux qui ont commun à éclairage public. Poto ya Pamba éclairage public. Kende sur Aveni Kabambar. Moko ya grand ba veni o ezo le kana veni a Barumbu et le ki na commune a Barumbu plutôt et le ki na commune a Kinshasa la ki sangai poto moko o ya éclairage public ko bacha kende na veni Croix Rouge awa na zoloba o monika Croix Avenue Croix Rouge avant o koma na université Croix Rouge libulu ezawa na mituka ile kakalisu sute kende zikida éclairage public ezawa. Donc, éclairage public pour l'Argentine Ngobila, naba député provincial, na yo, ezali boulevard du 30 juin, na boulevard Lumumba. C'est ça, éclairage public. Donc, Kinshasa se résume na avenue na boulevard Lumumba, na boulevard du 30 juin. Pour na bango, c'est ça, l'éclairage public. Bazali ko mais si ko bande ko nabiso bazali ko vivre na Bumbu, bande ko nabiso bazana makala, ezana ba Kinshasa wa, ba commune mususu na ba quartier, o bango batikala ko yeba couleur nanu ya courante, lotili ki ba yebi yangote. Très bien. Mais batouana chaque fin du mois, au moins on va utiliser courant pendant des jours. Mais facture ya courant et zo ya au-delà ya 100 000 francs congolais. Il paye le courant au bango ba utiliser kate. Mais vous allez comprendre ces députés là. Oh bazolo ba que Jean-Marc Kabunda usurpé du pouvoir. Ba ye aza député national. Mais moi je me demande comment un député provincial a koki ko koma na niveau wana en ignorant d'abord la constitution. De kozali mo panzi sango, la constitution est claire. Constitution est lobby. Une fois élu, les députés nationaux représentent la nation. Donc, une fois que ba élu député, azali sous député, il y a circonscription électorale na yete, a commis pour la nation mobimba. Donc, il défend la nation tout entière. Voilà pourquoi zo mona lelo na l'Assemblée nationale, s'il y a problème, il y a prorogation à état de siège. O ezaka ka na province ya Nord Kivu, na Ituri, mais c'est tous les députés qui votent. Pas impliqué, voilà. Donc, Bango Bazolo Bela Congo Mobimba. Mais cela n'empêche que député national, élu à province de Kinshasa, banani va voter, ce sont les Kinois. Mais ceux qui ont monique vie à Bakinois, ils ont tambola bien. Il doit dénoncer. Il doit parler parce que Moussala na ezali nini. Ezali kolobe la population. Population est votée. Maintenant, quel est le malheur? Oh yo Bango ba monique non, Jean-Marc Kabunda Sali, pour na ko dénoncer l'absence totale ya état na ville province de Kinshasa. Pour na ko dénoncer insalubrité au ezali ko se vivre na ville province de Kinshasa. Et moi j'ai dit ba député wana ils n'ont jamais été élu. Et ici, je dénonce encore pour dire, bah députés au moni basala qui déclaration wana. Ce sont des députés au Gentini Ngobila Sombi. Ils sont dans une chose qu'on appelle au niveau de l'APK, Assemblée provinciale de Kinshasa, la dynamique Gentini Ngobila. Donc Ngobila Sombi li bango mituka. Azui bango ba député titulaire. Atindi bango na gouvernement, atindi bango na ba DGRK, atindi bango na ba entreprise étatique au Ezali qu'on relevait la compétence à ville province de Kinshasa. Si ko bango ba suit ba si player na bango ba komi ba député. Si ko si player wana salaire azwakati. Jantini ngobila beti kop nini. Chaque suppléant azwaka chaque fin du mois $2000, 2000 balles. Muto apesa kayo $2000 chaque fin du mois. Apesi yo mutuka. Est-ce que côté les melai? Parce que ceux qui ont quoi ici, ils ont beaucoup commis dans nos chômeurs. Oui, voilà. Donc, bango ba sala dynamique wana Gentili Ngobila. Yango na zo mona bazo soutenir Ngobila dans mais toutes ces bêtises. La décision ya makasi ko wuta na mona mboka Godempo yi wazali présent assemblée provinciale le temps où yé azali na nous ko yeba na position TG ce que là za côté ya ba côté ya union sacrée to azali na côté ya dynamique Gentili Ngobila. Et Godempo yi et Gentili Ngobila, les oiseaux de même plumage. Bango tu mi balé ba utawapi. C'est le FCC, c'est le fou du FCC. Aujourd'hui, ce qui est au ba question tout oyo izali adressé na Gentili Ngobila. Ba makambutu oyo bazo komé la Gentili Ngobila aya ko répondre na assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyazo fan de la yango. Ça ne passe pas au niveau de la PK. Oyebi lisolo ya Nero Mbungu pour avoir dénoncé que non kin bopeto ezana vision té, ezana budget té. Godem Poyazo initia
motion moko de défiance contre Néron Mbungu. Or, il a oublié que Néron Mbungu a été voté sur la même liste avec Jean Tshisekedi. Si nous pouvons comprendre déjà que Dynamique Ngobila Bazali majorité na kati ya assemblée provinciale. Plus de 38 députés. Mais na kati wana pe ba IDPS Bazali. Ben, je vous dis, moi j'ai toujours dit ma façon de faire la politique est différente des autres. Nazala Kadjalo liste était mouto au komi sabato pour ba pesa yo moins 100-200 dollars. Je cite, c'est dans un média, je ne cite pas les noms. Il y a plusieurs députés provinciaux de l'IDPS. Au Bazali na dynamique ya Jean-Tshisekedi Ngobila. Ba mususu ba koma ba ministre à finance. Et quand je dis ministre à finance provincial boye bikombonaï. Merci. Toko fande kakawana te tozela mikoloko ya to banzi. Et autre chose, oui, Nalandi. Nalandi et même je ne sais pas si la vidéo est réelle et même l'abbé Cholé azali ko soutenir Jean Tshisekedi Ngobila. Alobi que non la gestion de Jean Tshisekedi Ngobila est ali positive. Voilà. Pour à sa congolais. Donc après si avis naé par rapport il y a bila ou il y a sali donc azana trois wana. Mais selon ba dire naé, ce qui to landeli ba dire naé. Makambuya lobaka. Il y a ko défendre peuple congolais. Je peux dire au Kinois que pas sur bino bozali ko nyoko ma chaque jour pour na transport. Pas sur bozali ko nyoko ma ba maman na ba papa ou bazote kana zandu. Ba bengana bango place a hôtel ka ezate. Molilio bolala kanango na banda kuna bino c'est avec la bénédiction de l'église catholique et de l'abbé Cholé. Merci beaucoup très cher internaute et tout mekana ko toucher point mususu to zali awa likambo ya 16 millions de dollars oyo elingaki ebima na maboko ya IGF et JGF et sengaki mbongo wana eleka par banque kasi mwana mboka tenu mwa balobite oyo ezali solo ya banque te ezali solo ya maboko banque ndo mekana ko éclaircir batu est-ce que ça obligé que IGF et pe sa instruction na ministère moko quel que soit makamba mbongo etali bangote. Et merci beaucoup pour na motuna ezali motuna kitoko oyo ezali ko défier la chronique actuellement na kati ya mboka na biso. J'aimerais d'abord rétablir la vérité avant de émettre un point de vue. IGF Azali instrument Oyo Kabila Bomakala. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, Ponako Kata hémorragie, il y a détournement, il y a des fonds publics, il y a Kobimisaka Bambongo na trésor public d'une manière illicite. On a instauré le service là, on a restauré ce service là pour que ça l'audit a priori et a posteriori. Donc, avant Mbongo et Bima, l'IGF doit être au courant. Mbongo a été Bima pour Moussala Nini. Et quel montant a été décaissé? On a été Moussala et IGF. Et ce qui Mbongo a été Bimi, IGF a été audité. Est-ce que Moussala Mbongo a été Bima et Salemi? To et salimité et ce qui moussala wa ne salimité mais mbongo et bimaki et salaki moussala a nini. Très bien. Alors à ce qui concerne l'ikambouya EPST et l'UGF to le kaki makambo yotalaki examen a tenafe pour na bana na biso bazali na 6e année primaire. Le ministre de l'EPST a salaki bidi na ye a tindi yango ke non pona ko salisa ba examen wana il faut au moins 16 millions de dollars ou soit 32 milliards de francs congolais. Il fallait ki ba bimisa yango pona ko futa ba surveillant pour les frais de fonctionnement pona ba frais de transport pona ko mima ba item wana et ki de to ki tozonga tata lobi ke Congo ezali ya monene mais 16 millions de dollars juste pour na ba besoin mike wana monite ke quelque part montant wana tenu mo bandial ki sipe mayele. Bon, je ne suis pas parmi les communicateurs ya EPST pour avoir des plus amples détails. Il y a 16 millions parce que tant wa sala ki 16 millions j'estime ce qui est normal que non après ça qui va détailler na yena ministère ya finance avant ba décaisser mbongo wana. Mais ce qui se passe c'est quoi avant ba bimisa 16 millions l'inspecteur général de finance a demandé à l'UGF au ministère de l'EPST que mbongo wana il ne faut pas être bima et kota na maboko ya mutu. Très bien, il faut que ça passe par le circuit bancaire. Pourquoi? Parce que la loi des finances actuelle est l'objet que Moutoua Koki Kotambola Lissousouté n'a plus de 10 000 dollars en espèces. Très bien. Et comme ça, on ne peut pas faire sortir plus de 16 millions de dollars au Komemelango Wapina Container. Tango Zobima na Banque Centrale. Au Komemelango Wapina Container.
na maleki andenge nini petango ko bimisa yango okendo bomango wapi na ndaku nayo soit na bureau nayo. Voilà pourquoi Jules Alingué Tinkei o azali ko bénéficier jusque là de mon soutien total. Parce que lelo il faut dire la vérité, si le bilan de Félix Tshisekedi aujourd'hui est largement positif, c'est grâce aussi à l'IGF. Moussalo IGF a sali et tikala ko sali maté sur le plan finance na mbokoyo. S'il y a des records na ba DGI na ba DGRAD, c'est grâce à l'IGF. Alors Tony Mwaba aye a présenté ba moyen de défense. Alobi que non, na intérieur na mboka na biso, il y a des villages, il y a des localités où yo ba banque ezalakati. Mais bisika wana te na fait pays esengeli et salama voilà. Mais moyen nini tokofuta ba au travers de la banque tant que la banque n'existe pas dans cette localité. Voilà. Donc il faut avoir l'argent na maboko. Or, aujourd'hui maboko makambo ya maboko banque to boyang. Et ça qui équation alors? Parce que l'argument où Tony Mwaba paye, c'est valable quand même. C'est valable. Maintenant, le problème, c'est quoi, les journalistes? Ce qui le ministère a épesté, c'est clair. Il y a des banques qui ont été en banque, mais si vous avez une banque, vous avez une banque qui a été foutue dans ma banque. Ça veut se faire comprendre. Mais pourquoi chercher que vous bénéficiez de 16 millions tout cash dans ma banque? Pourquoi? Et même si tu as un calcul simple, statistique, il y a eu 2 026 000 finalistes qui ont été en train de faire. Il y a eu 50 000 salles qui ont été en train de faire. Il y a eu 300 000 surveillants. Surveillant. Donc, si vous faites 300 000 divisé par 50 000 salles, vous coûtez que non par salle 6 surveillants. Est-ce que c'est normal? C'est déjà anormal. Et ce qui aux yeux d'ailleurs, 1 million et 16 millions, ce qui est 32 milliards de francs congolais, divisé par 600 surveillants. Un surveillant devrait recevoir combien? Au-delà. Au-delà. D'ailleurs, anormal. Au-delà, il y a salaire, il y a enseignant par mois. Au-delà, il y a salaire. Voilà. Ok, c'est là qui prime. Or, c'est là qui prime, kaka ya oye au surveiller. N'a fait plus l'eau et à la fin, bah, pécio prime n'a eu qu'il n'a eu. Et chose grave, au moins, n'a pas tous les enseignants sont mécanisés, ils sont bancarisés. Batou chaque salaire n'a bango par la voie de la banque. Très bien. Mais pourquoi? Parce que bateau bazo surveillé, t'es n'a fait la plupart, ce sont des enseignants. Enseignants. Voilà. Mais pourquoi ne pas utiliser le même compte bancaire au bazo la salaire n'a bango? Il ya paye ya nani ya salaire mensuel bon paye c'est la cabre bango prime wana et le montant où ezali qui prévu pour na surveillant nyonso ezali qui combien jusque là parce qu'il y a l'oba qui ezali 40 000 francs 40 dollars okoko mais la moi soso okoko mais la moi bière c'est ce qu'il a dit. Bon, prenez 40 dollars multiplié par 60 000 surveillants tu comme on a 12 millions de dollars t'es. Jamais. Donc il y a eu tentative de corruption. Et à cela, je donne raison à M. Gilles. Aujourd'hui, c'est quoi? Bah, tu vas voir le bakeno, au moins, tant que comme il dépasse, bah, comme au bang. J'ai toujours dit, une fois qu'on nomme un ministre, Azali Sous ministre à parti politique, a commis un homme d'État. Makila, non. Wana Azali, bah, politique, moko a cessé. Autrement, on a sur le régime, il y a FCC. On a bango mutwa FCC ceux qui a sali mabé moyen bakanga yezate. Mais chez nous à l'IDPS c'est l'état de droit. Détournement ceux qui est outil n'importe où atta ceux qui est outil pas premier ministre ou azalu ici à l'IDPS il faut balander là. Mais ici to outil sala na yo calcul. C'est simple. Donc il y a eu tentative de détournement. Mais ça pas infraction té Liboso le juge tentative wana ça pas infraction té pourquoi ba traité qui ont d'abord en famille té quand même bazali ba 4 temps au c'est le kambo ubisto sali ko sola lelo mais et bimi na ba télévision et lelo to moni mo na mboka tenu mo ba na déclaration na une interview à Sara qui a le biki azali na ba voice moni té kitiki ba to na suspense ba voice yango le binini makanisa voice wana le baki nini nini o sali ke ba ko mati na température en de là wana to moni photo o Ndeko Gilles Azalina Tony Mwabana secrétaire général au Azalina minute au moi namboka moi namuti Augustin Kabuya photo wana pe elobisi ba congolais. Mais la photo ne date pas d'aujourd'hui, là il faut élaguer les malentendus. La photo ne date pas d'aujourd'hui,
La photo elle est ancienne. Mais ce qu'il faut dire c'est quoi? Il faut là qu'il va traiter Yango en famille. Les choses de l'État ne se traitent pas en famille. Ça c'est un. Tozan a idée pesté. Ça c'est l'État congolais. 16 millions et bandaki obima wana ibandaki obima na caisse ya IDPS. Très bien. Ça sort du caisse de l'État. Et caisse de l'État banani bakolo état. Ezangana yo. Ezabande kwa lamuka, ezabande kwa ensemble, ezabande kwa FCC. Tous des Congolais, nous sommes les propriétaires ya mbongo elinga ki obima wana. Et alors biso peuple congolais bakolo mbongo il fallait ki tozala au courant. Très bien. Et cela ne dépend pas d'une famille politique que non, les linges sales se lavent en famille. Non. Et moi j'encourage. Au moni, bola moi IG Fezani. Ce qui a dénoncé Kamakambute que non 16 millions ilingé bimawa. Ndenga a dénoncé 700 quelques mille dollars au Ebima qui est ministère de la formation professionnelle. Ce qui a dénoncé Kayangote, est-ce que yonanga to linga kitoye ba que non 16 millions de dollars et bimi pour na makambote na fait. Si comment na mboka toni moi batindi akeyi ku funda IGF. Afundi Ndeko Gilles to afundi IGF. Non, dans sa plainte, il a porté plainte contre Gilles Alingete. Et moi d'ailleurs, je me félicite. Nazolo avec Félix, tu sais que il y a un grand changement dans ce pays. Donc, un ministre qui se sent lésé pour n'attendre moi balobi Gilles Alingete à BBC honneur naye, on ne joue pas avec l'honneur à Kayu Kofundaye. Et c'est ça l'état des droits. Oyo biso yi de peste au bundé là. Ce qui a monique non, atikala ko détourné te, il n'y a jamais eu tentative de détournement. Ce qui a zali na ba preuve naye, à Kayu Kofundaye la lingette. Et Gilles Alingete pe a ko kende ko répondre en tant qu'individu. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ozala Gilles Alingete, ozala Tony Mwaba, ozala Félix Tshisekedi, ozala Ndeko Jeff Ndenge Nazaboyi, nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui Ndenge toza na yo boyi, omoni que non, mayenga na lobaki et se pelisi yote. Tu as le plein droit, il y a aucun de ko se plaindre devant la justice et la justice va m'inviter, je dois aller répondre en tant que citoyen congolais. Et j'encourage Tony Mwaba de continuer dans sa démarche. Ce que justice est copé, ça y est raison, tu copé la yemaboko. Mais s'il y a eu tentative de détournement, batoyo, bazala qui impliqué, baoye ba déjà. Parce que le gouvernement bawario, ils attaquent que non, au Salimabe, il y a eu tentative de tikiyo. Mais si la tentative de corruption est confirmée, Tony Mwaba doit démissionner. Du ministère. Mais c'est difficile de tenir moi à démissionner parce que c'est parmi les ministres qui ont fait la fierté au gouvernement et ailleurs. Ils ont fait la fierté à chaque fois place à la 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 place déclaration la place à la place à la place à la déclaration pour la place à Félix, président de la République, à la mécanisme à la moto à déjà bombi. Na poche pour na atiaye na kiti wana ya seni patango baboyi ko boya ka di mabaza ina raison moi ma kanisi d'abord par rapport ya déclaration ya lamuka. Merci beaucoup Isali mawamingi. Moi j'ai mal de voir que la classe politique congolaise est ainsi médiocre. Omoni na bamboka mususu faire l'opposition ne signifie pas voir tout en noir. Par contre, en République démocratique du Congo, l'opposition pose à l'opposant. Il faut voir tout en noir. Est-ce que vous êtes? Non, mais bisot au outa na opposition. Tout ce qu'on a dit, c'est ce qui se faisait dans ce pays. Toloba qui toko kende référendum te parce que constitution oyo ezali copie coller à ba belge na ba français. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Toloba qui toko kende élection à 2006 parce que communauté internationale a déjà na candidat naie, na président naie. On l'a vécu ça en 2006. Maintenant, regardez. Ce qui m'étonne est que le prince Epengé, le Devos Kitoko, le Adolphe Muzito, le Martin Fayulu, na niveau na bango ya Lamuka, juriste Tata Mokwazate. Juriste Tata Mokwazate. Parce que déclaration bango basali, na bandeko bazo landabiso. Ce qui a landi déclaration wana, c'est bizarre. Aujourd'hui, Lamuka est au Bakeno. Félix Tshisekedi, après avoir nommé celui qui publiera le résultat définitif, aujourd'hui il veut encore nommer celui qui publiera le résultat provisoire. Donc Félix Tshisekedi yende mutozali ko bloqué processus ya désignation ya président CENI. Mais c'est malhonnête.
batutu ba kongomani lelo ba zolanda au travers des médias nini ezali koleka entre les confessions religieuses. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi mutoyé bici église catholique na église protestante otobengi église du Christ au Congo po bas yo kanate na bandeko na bango o ya six confessions religieuses po ba désigner candidat président de la République? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi? Par contre, nous savons que la Mouka, ensemble avec le FCC, Bakenda qui coussa la sitine le jour où la désignation président CENI devant la CENCO, pour Baye Bisabango qui non, va désigner président CENI. Très bien. Par contre, nous nous disons à l'IDPS que Bangonde Bazali à la base, il y a blocage, il y a processus électoral aujourd'hui. Ça, c'est un. Deux, dire que Félix Tshisekedi a nommé celui qui publiera le résultat définitif des élections, mais c'est une ignorance totale. Aujourd'hui, dans la Mouka Martin Fayulu, Adolphe Mouzi Toazala qui est premier ministre, a ignoré les lots que la nomination dans la Cour constitutionnelle, il y a une ordonnance qui a été signée par Joseph Kabila. On a fait le Tshisekedi au pouvoir. C'est Joseph Kabila qui avait signé l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et dans cette ordonnance, Joseph Kabila, au travers Bangonan, Martin Fayulu, à cette époque, il était député national. Azalaki na Assemblée nationale. Loi wana eleka na kati Assemblée nationale, Fayulu azalaki wana loba elo kote. Mais dans cette loi, on dit ceci. Parmi les 9 juges à cour constitutionnelle, 3 présidents de la République ont nommé Bango. 3 bakouta na Assemblée nationale, 3 moussousoyo baouti na Conseil supérieur de la magistrature. Président de la République a nommé 3 Oyaye selon la loi, selon l'ordonnance. Est-ce qu'il a violé Yango? Non. Maintenant, Bango tala ignorance. Loi et lobby, 3 hauts présidents qu'on nommé, 3 hauts assemblées nationales à Koutinda, na 3 hauts bako outa na conseil supérieur de la magistrature, tango bako koma 9. Bako sa la élection entre le 9, bimisi président ya ya cour constitutionnelle. Mais bango bake ba sali élection ba bimisi président. Mais la moukazo le bake c'est Félix qui a nommé le président de la cour constitutionnelle. Aux hommes on a ignorance. À quel niveau moutou alinga dirige mbo kanabiso azali ignorant. Aujourd'hui, bazo le bake non, on doit dépolitiser la CENI. Ndeko, et moi ici je me sens rabaissé. C'est quoi notre classe politique? Ce qui est en train de faire la loi organique portant organisation à la cour constitutionnelle. Nazoya siko na loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Bazolo ba bien, la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc CENI est où tu as 4 assemblées nationales. Mais l'Assemblée nationale c'est quoi? C'est politique ou c'est apolitique? C'est politique. Mais c'est quoi dépolitisation bango bazolo kaiza wapi? Parce que au moni ba confession religieuse attendenge catholique azo cha makelele ba koki ko bimisa candidat ya catholique mais ceux qui a commis l'assemblée nationale au travers de la commission paritaire assemblée nationale a audité candidat wana moni ki candidat wa za crédible te a kolekate tous les candidats doivent être entérinés par l'assemblée nationale et dans l'assemblée nationale banani baza majoritaire c'est l'union sacrée ou bien c'est la Mouka union sacrée donc bazo sala ba discours populisme. Je peux démontrer dans ma déclaration na bango na ko talisa ba kongomani ke la Mouka ba to mayele bazati ba to bwanya bazati parce que muto mayele akoki ko bimisa mutakala na bango ne ba bimisa ngona déclaration oyote. Merci. Voilà, très cher internaute ezali bongo moko ya IDPS ndeko Jeff azali parmi ba parlement debout ya Bokasa commerce hein, si je me trompe pas. Alors kuna esika wapi ba pesa ke évangile ya papa Etienne Tshisekedi surtout ba meka kozwa masango ya mboka na tant o esengeli tokene musika te bo évoluer ndenge nini rapidement parce que bokomi ebele ce dernier temps na couloir na bino wana ba parlement debout bokomi ebele et ezadi di a quoi ba moi mbo bazali ko proposer bino ezali moi ebele ango batu bazoya kaka o bien ezali kaka amour ya parti ndenge bino bolobaka. Aujourd'hui le phénomène parlement debout, nous sommes fiers ngana no avoir komi benga communicateur à IDPS. Je suis d'abord fier d'être appelé président parlement debout. Très bien. Pourquoi? Parce que ça phénomène moko oyo le super héros national Etienne Tshisekedi Amolombatika. Donc a ebisa biso wana ba WhatsApp ezate ba YouTube ezate. Donc communication de bouche à l'oreille.
Et aujourd'hui, nous sommes fiers de faire cette communication. Parce que nous vendons l'image de l'IDPS. Nous prêchons la vision de Etienne Tshisekedi. Mmh. Et nous prêchons les actions du chef de l'État. Mmh. Aujourd'hui, bah, tout le monde est dans les médias. Na batu mususu a outi na yokobe tandule a yebi mai mazali ko sali mana politique te a yi abandio loba non le bilan du président est négatif ba mususu bazolo ba c'est la wana zolo ba mamonde ko kofi olomide peut-être yi mutu ale kai kine tando mukia lobi ke bilan mo kunzambo ke za largement négatif et bon na yebi te bilan na yi a ce qui concerne la politique ezali a ce qui concerne la musique ezali négatif mais le lo toutes ces actions là le lo na mboka na biso le lo yo ki kikaya bin karubi azawa pi a kimi mboka les lois aux autres, John Numbi Azawapi, Kalev Mutomba Azawapi, Mata Tamponyo aujourd'hui, Yosio Mona Nambo Kanabiso pour la première fois, Ba Kongomani Bazo Landanga, Ba Ye Ba Moutouye Mokwazolo Ba, OG était empoisonné pour la première fois. Moutouana Zalakinani, premier ministre Nambo Kanabiso. Mais tant que Zalakinanou, Ba Benga qui est en justice, on a poison Zalakiti. Mais quand tu dois venir répondre, na débâcle ya Bukangalonzo les congolais jusque là bazali ko zela pe audition ya audit plutôt ya nani ya mwana mboka Etienne Longondo hein. Et je suis pour la justice et je suis du côté de la population, on doit auditer le frais oyo ba pesaki Etienne Longondo pour la riposte à COVID-19. Il y a eu des détournements et chose grave, une révélation que je fais, je dois faire ici, c'est le président de la République ko asenga ki je la lingete ya kendeko auditer ministère de la santé. Oyebi mukolo chef de l'État qui était na ba hôpital pour na kota la ko rendre visite na bato bazo bela COVID. Bato bayebi saki bazali ko lia biente bazo ali ko zo ba soente. Et à cette époque, le président de la République a ébisi la lingete kende na ministère des Finances. Mbongo ebele wo ekenda ki kuna to moni kezali mukosala musalate ezali détourné. Mais oya landaki avant longo na pouvoir alobaki ke non mbongo ezala ki telle place na zongi siango na caisse de l'État. Mais il faut bailler bisabiso au travers ya IGF, il faut bailler bisabiso na ministère ya finance mbongo yo bazongi saki na trésor public et pas Etienne Longondo ezali combien. Mais s'il y a eu détournement même d'un dollar, Etienne Longondo doit être arrêté, voire même Agassi Abandoubo le ministre de l'économie. On connaît les problèmes de la rétrocession de 12 millions de dollars toyebi yango. L'enquête doit aussi continuer. Et aussi j'interpelle le procureur. Yo procureur ozali organe de la loi. Toi tu cherches les infractions, mais chaque fois l'IGF dénonce les détournements. Pourquoi ba procès wana bandakate? Merci beaucoup très cher internaute, c'est au comme l'habitude on a souka ndeko Jeff numéro de contact et moi message peut-être la question qu'on a posé qui était parce que bah sujet ou d'actualité ou tout mais qui ciblait les lieux avec qui misatu ou je monique n'a touché pointé rapidement au qui ko pesa batu ba mise au point. Merci beaucoup pour na opportunité bozali ko pesa biso au travers ma mission télévision pour na koleka ko pesa bandeko polele na actualité politique. Donc tozo senga bomoko qu'il n'y ait pas du tribalisme. Le Congo reste un et indivisible. Très bien. Ndekonayo Mouluba azan ndekonayo congolais, Mungala azan ndekonayo congolais, Muswahili azan ndekonayo congolais, Mukongo azan ndekonayo congolais. Donc congolais tout bipa union soit qu'on s'est retrouvé, il faut m'y sentir à l'aise. Donc bomoko tous à la unité derrière le chef de l'État, derrière son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est l'homme qui a la vision du pays, c'est le Jean-Baptiste qui a été envoyé aujourd'hui. Félix Tshisekedi Nzamba tindie le loup à Longola biso na boumbu ya Kabili au tozalaki nango pendant 18 ans. Les réalisations de Félix Tshisekedi sont palpables. Aujourd'hui, tu peux partir à Lubumbashi. Boyebaki ke billet d'avion ya Lubumbashi zaki $400. Plus cher que billet Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est $186. Tu peux partir à Lubumbashi avec plus ou moins $350 au sali aller-retour. Au Kokyo kende mbujima avec $220, tu fais l'aller-retour. Aujourd'hui, l'arrêté pour la baisse des produits surgelés ezali en cours. Donc, exact, bah, so so le lo meto ka ki déjà ba signé ki makambu sili mais ba ngonde ba bozu côté ka bazo kanga ba boucherie na bango balingi sous côté ka bilo na bango te. Non, il y a eu entente entre les opérateurs économiques et le ministère de l'économie. Maintenant, ça reste la signature de l'arrêté. Pour avant ils à l'appliquer, il faut qu'il y ait l'arrêté. Même le problème des billets d'avion, ils ala ki kakaboyi. Mais une fois que l'arrêté a été signé, les billets d'avion ils awapi et kiti. Et c'est de la même façon, bango pe ba kokiti sa babilo ko na bango kalamingi.
tous les opérateurs économiques sont d'accord avec le ministère de l'économie. C'est, ça concerne Oyotobengi social et à peuple congolais. Aujourd'hui, Olanda Kilucha et Lansaki appellent na bande konabi soit Boutembo, basa la ville morte pour bas saboter état de siège. Bas réclamer fin y a état de siège. Mais bande quoi Boutembo, la population de Boutembo ba yebisi bango non. Bisot ozali comment na ba produit y a état de siège. Le lors na Boutembo ba mort ozali société to komi kotambo la librement la paix règne na Boutembo. Alors nous ne pouvons pas être derrière ces gens là dont bisot o voter bango mais bango ba keko soutenir ba groupes armés pour donc Félix Tshisekedi à travers toutes ces actions au ezali ko salema na ville province na mboka mobimba ezali palpable soutenant Fatih Beton to pesa yo deuxième mandat to pesa pe UDPS majorité parlementaire parce que manœuvre tout bozomona c'est parce que l'UDPS n'avait pas la majorité au niveau du parlement. Voter président Félix Tshisekedi, voter les députés de l'UDPS en 2023 et pour finir, il y aura élection en 2023. L'UDPS ne tolérera jamais, même pas une seconde de glissement en 2023. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous sommes prêts à respecter la Constitution. L'UDPS, c'est l'état des droits. L'état des droits veut dire le respect des lois. Et le numéro de compte rapidement. Le plus 243 81 717 11 97 plus 243 81 717 11 97 c'est mon numéro de contact. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook Jeff Badibanga, vous allez nous trouver avec le fiji du chef de l'État en photo de profil. Même sur Twitter nous sommes disponibles, Instagram, sur tous les réseaux sociaux nous sommes actifs. Merci beaucoup très cher internaute et à ma mission télévision to commune vision na suka ezalegi bongo mona mboka Jeff Badibanga na ye to meki ko soulever quelques points à actualité oui ezali ko René Namboka Nabiso, merci na Volding Kituka, merci na Olivier Madaka Daka, surtout na assistance ya ndeko nanga na linga mingi Lambert Ted to binga ka Lambert Ted bientôt pour bon mon sponsor Nabiso ikozala Flap hein ezali li solo to zalina ko bongisa en tout cas Flap ikozala parmi batu ba omeka ko sponsoriser makamo Nabiso et surtout crédibilité na bango. Très cher internet, vous abonner massivement na ma mission télévision et surtout bo benga na numéro ezali affiché na souk les 89 51 10 608 ça c'est mon numéro et ça est disponible n'attend rien sur Robin Abisso pour répondre bino na lengue et singele bino bye ayé du nouveau à Kinshasa le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Ma mission TV, le miroir du monde.